Niwe karibu na we. Niwe karibu na we. Niwe karibu na we. Karibu na we Mungu wangu. Niwe karibu na we. Karibu na we Mungu wangu. Nitakapo kwenda kwa mbinguni. Oh, nitasahau mambo ya duniani. Hey, ungali wimbo wangu. Niwe karibu na we. Ungali wimbo wangu. Niwe karibu na we. Niwe karibu na we. Karibu na we Mungu wangu. Bwana wangu. Niwe karibu na we. Karibu na we Mungu wangu. Nous allons lire la parole de Dieu. Tout à somme à un de l'amour. Tenez debout dans le psaume. Le chemin me plaît de mon sabour. Nous prenons le psaume 89. Toko ku zaburi makumi munane na tisa. Et nous lisons le verset 16 à 18. Tutasoma mustari ya kumi na sita kufika makumi na munane. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Heri kwa taifa ile inajua muririo ya parapanda. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous exhortons un peu ce soir pour la, sur la sentinelle pour terminer. Nous en avons parlé longuement pendant presque deux semaines. C'est pour montrer à l'Église les choses de Dieu telles qu'elles sont. Dieu établit ses propres serviteurs à lui. Mungu eko naweka batumishi bake ye mwenyewe. C'est pour que cela proclame sa propre parole envers son peuple. Bale batumishi Mungu eko naweka juu balete sauti ya Mungu kabisa kabisa kwa taifa yake. Parce que dans la parole de Dieu il y a la vie. Japo ndani ya neno la Mungu muko buzima. Et l'obéissance à sa parole vaut plus que n'importe quoi. Regardons dans 2 Timothée 3. Tunenda ku Timothée wa pili mstari ya 3. Verset 16 à 17. Kwanza ku mstari ya 16 kufika 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Miandiko yote yenye kusukumuiwa na Mungu. Est utile pour enseigner. Iko na mafaa juu ya kuhubiri. Pour convaincre. Juu ya kuwina. Donc kuhakikisha. Pour corriger. Juu kunyolosha. Pour instruire dans la justice. Juu ya kujenga mu haki. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Kumwisho mtu wa Mungu akwa mwenye mwenekwenea. Mwenekweneana mnamo matendo yote. Donc il est complet. Mtu wa Mungu ek mwenekweneana.
et il est propre à toute bonne œuvre. Eko safi makaji yote mzuri. Amen. Amen. L'homme de Dieu ne doit pas avoir de mauvaises choses. Nous allons voir ça tout de suite. Muntu wa Mungu wala mtoto wa Mungu hawezi kuwa na matendo mabaya. Dans 2 Pierre 1 verset 21. Tunenda ku kitabu ya Petro wa pili mstari ya 21. Là aussi il est écrit. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ayina kuma penzi ya Mungu unabii badile kwa mtu unabii badileta. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Yenye kusukumwa na Roho Mtakatifu. Non non, mais les gens ont été poussés par le Saint-Esprit. Bantu badisukumiwa na Roho Mtakatifu. Pour parler de la part de Dieu. Jua kusema ku ngambo ya Mungu. Frères et sœurs, c'est pour vous dire, la parole de la Bible n'est pas la parole d'un homme. Ceux qui ont écrit la Bible, ce sont les hommes poussés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. L'amour de Dieu est grand. Envers son peuple. Mapendo ya Mungu yuko mkubwa sana kwa taifa yake. Dieu veille sur son peuple. Mungu yuko na gesha kwa taifa yake. Il aime le conduire lui-même. Yeye mwenyewe anapenda kuongoza taifa yake. Vers les lieux de repos. Kule kufasi ya mapumziko. Pour habiter avec ce peuple là. Ikale kule na taifa yake. Parce que Dieu pour lui. Japo kwa Mungu yeye la portion de lui-même c'est son peuple. Kwake yeye Mungu kipande ya Mungu ni taifa yake. Amen. Amen. Dieu se sent incomplet sans toi. Mungu eko na angalia sema ashene yane kama wewe hauna hako. Alléluia. Amen. Alors l'homme que l'on cherche ça c'est mtu ule wewe natafuta. Doit aussi prendre garde à cela. Anapasi kukeba ange ku ile mambo. Il doit aussi faire attention pour répondre à Dieu. Amen. Amen. Deutéronome 32. Au verset 11. Là, il est dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, ça on vit les tailles, on a mayaï, voltige sur ses petits, déploie ses ailes et les prend. Il les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes dans l'église. Et nous prêchons la parole du Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre. Nous devons faire attention aux choses que Dieu nous dit par sa parole. Ce n'est pas bon de minimiser la parole de Dieu quand elle est proclamée. Ce n'est pas très bon, frère. Ma soeur, ce n'est pas bien. Aïna Muzuri. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant dans Apocalypse 21. Là on nous montre aussi au verset 2. Kule banatonesha kumstari ya pili. Banatonesha.
Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. La ville sainte. La nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse. Qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une autre voix qui disait. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil. Ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Le Seigneur conduit son peuple par des avertissements pour qu'ils évitent les mauvais chemins, qu'ils marchent avec lui jusque dans le repos éternel. Israël a quitté l'Égypte. Dieu l'a placé directement sous la colonne de feu pour le conduire pendant la nuit. Et la colonne de nuée pendant les jours. Pour qu'Israël marchasse jour et nuit. L'Église aussi, frères et sœurs, doit marcher jour et nuit avec Dieu. Ici, dans Apocalypse, Dieu, par sa grâce, il a pris Jean l'apôtre. Il l'a amené au ciel. Il lui a fait voir les choses qui doivent être. Et la nouvelle Jérusalem. Cette ville est préparée par Dieu lui-même pour lui. Et pour son peuple qui est l'Église. Dieu sera présent. Il aidera l'Église. Il essuiera ses larmes. Il n'y aura pas de deuil. Il n'y aura pas de douleur. Pas de famine. Pas de souffrance. Nous serons avec Dieu pour l'éternité. Imaginez cela, frère. Alors, le son de la trompette de Dieu. Quand il sonne, c'est pour annoncer les avertissements du Seigneur afin que son peuple marchasse dans les droits chemins, qu'il marchasse dans la lumière de Dieu. C'est pourquoi il est dit: heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, heureux aux membres de l'Église qui connaissent la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu sonne, ils savent qu'il faut la respecter. Il faut obéir à cette parole. Ils savent cela. Devant Dieu, l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Amen. Alors, Jésus disait, les enfants de Dieu sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Jésus a dit que c'est ma, batote ya mungu, njoba de bako nasikia sauti yake.
Ainsi donc, frères et sœurs, quand la parole de Dieu nous est proclamée, ne soyons pas négligents. Ceux qui sont fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est Romains 8:14. Et dans Jean 16, verset 13, là il est écrit, quand le Saint-Esprit sera venu, il conduira les enfants de Dieu dans toute la vérité. Et dans Apocalypse 3:22, on nous dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les enfants de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, ils entendent ce que l'Esprit dit. Ici où nous sommes assemblés, frères et sœurs, ceux qui sont de Dieu, ils entendent ce que l'Esprit dit. Et ils se mettent en ligne avec l'Esprit de Dieu. L'Église est dans l'attente du retour du Seigneur. C'est la grande nouvelle pour l'Église. Dieu nous a appelés hors des nations. Hors du monde. C'est-à-dire hors de toutes les habitudes du monde. Toutes les manières du monde. Et Dieu nous a fait sortir. Et l'Église, c'est un peuple appelé hors du monde. Frères et sœurs, sortons réellement du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ne prenons pas la parole de Dieu à la légère. Il n'y a pas de flatterie dans la parole de Dieu. Un vrai médecin, il soigne, même si ça fait mal, il soigne. Parce qu'à la fin, tu seras guéri, tu vas avoir la joie. La parole de Dieu, c'est l'épée à double tranchant. Il frappe pour corriger. Ça fait mal, mais la plaie va finir. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Alors l'Église qui attend le Seigneur, elle est exhortée de marcher selon Tite 2:12. Lisons ça. L'Église appelée hors du monde a reçu la grâce de Dieu comme Marie. Cette grâce-là, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Dites amen. Amen. Et aux convoitises mondaines, nous sommes appelés hors des nations pour sortir de toutes les impuretés du monde et toutes les convoitises mondaines et de vivre maintenant selon la justice
umfatana haki, la piété, utawa, et la sagesse. Na elimu. Amen. Amen. En attendant le retour du Seigneur Jésus. Mukuchunga kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. La justice. Haki. Se marcher conformément à la volonté de Dieu. Haki ni kutembea kabisa kabisa kufuatana kuambatana na sauti ya Mungu. C'est une vie de droiture. Ni maisha ya kunyoloka. Qui est un témoignage de notre salut acquis en Jésus-Christ. Njoyile ushudi wetu yenye kupata Yakonesha okovu ndani ya Yesu Kristo. Amen. Si nous sommes sauvés. Kama tukubenye kokolewa. Frères et sœurs. Dada na ndugu. Nous sommes donc appelés hors du monde. Kama tukubenye kokolewa kabisa kabisa, tukubenye kuita inji ya. Hors des convoitises mondaines. Inje ya matama ya dunia. Hors de toute impiété. Inje ya uchafu bote. Pour marcher maintenant avec Dieu. Dieu a kutembe pamoja na Mungu. Dans la justice. Aki. C'est-à-dire une vie de témoignage. Aki ni maisha ya ushuda. Qui montre que nous sommes sauvés. Maisha ya ushuda ili naonesha sema tubenye kokolewa. C'est oui, amen. Amen. Un chrétien qui vit en désordre. Mu Kristo ule ko naishi na maisha ya kunyolo ya kukunjama kunjama. Suivant les trains du monde. Il prouve qu'il n'est pas sorti du monde, il n'est pas sauvé. Nous devons marcher selon la sagesse. La crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la haine de tout mal. Frères et sœurs, un enfant de Dieu doit haïr ce qui est mal. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mal. Si tu es l'enfant de Dieu, tu auras la nature de ton père. Amen. Nous devons marcher selon la piété. C'est-à-dire être comme Jésus. Marcher comme il a marché lui-même. 1 Jean 2, verset 6. Jean wa kwanza mustari ya sita. Chapitre 2, verset 6. Sura mbili mustari ya sita. Celui qui dit qu'il connaît le Seigneur doit aussi marcher comme lui-même a marché. Amen. Amen. Frères et sœurs, amen. Nous sommes en route vers l'enlèvement de l'Église. Ne croyez pas que ça sera quelque chose que vous allez prendre à la légère comme vous le voulez vous-même. Non. C'est la parole de Dieu qui nous prépare. En attendant la venue de Christ, nous sommes exhortés à marcher dans la piété, dans la sagesse et dans la justice. Haki ya Mungu, mboka ba Mungu, mboka ba Mungu na mutawa. Say oui, amen. Amen. Que ces paroles d'avertissement nous pénètrent. Yeye masauti ya ukumbusho ituingie kabisa kabisa. Fuyons toute impiété. Tukimbie buchafu bobote. Une vie impure. Maisha ya buchafu. Fuyons ces choses. Fuyons les convoitises mondaines. C'est oui et amen. 1 Timothée 6. Timothée wa kwanza mstari yake ya sita. Premier Timothée 6. Timothée wa kwanza sura 6 verset 10 mustari ya 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Japo mapendo ya feza
Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez, frères et sœurs, quand vous dirigez votre cœur vers l'argent et vous aimez l'argent plus que toute chose, n'oubliez pas que c'est Mammon. Et Mammon, c'est le dieu de ce monde. Plusieurs qui l'ont suivi, ils ont laissé Jésus. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Pour toi, homme de Dieu, Timothée, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Voilà les choses que nous devons rechercher. Nous devons les posséder comme nature à nous. C'est oui et amen. Amen. C'est un avertissement, frères et sœurs. Aujourd'hui, les chrétiens le sont suivant leurs églises. Léo ou Christ. Mais ce n'est pas cela. On dit de rechercher. De ta foutiche. Amen. Amen. La justice. Ok. La vie de témoignage. Maïsse Yahushua. Que nous sommes enfants de Dieu. Yahushua, c'est un truc bateau de amour. Recherchons cela. De ta foutiche, il est. La piété. Utawa. La foi. Imani. L'amour. Mapendo. La patience. Utulivu. La douceur. La. Pardon. La douceur. Upole. Combat le bon combat de la foi. Combat na bokonvu bunene ba imani. Saisis la vie éternelle, Bamba Maïsami, à laquelle tu as été appelé. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes ici parce que Dieu nous a appelés à la vie éternelle. Laissons nos problèmes, occupons-nous du royaume des cieux. Les restes, Dieu va nous les donner. C'est oui et amen. Amen. Frères et sœurs, ce sont des avertissements du Seigneur. Timothée devait marcher comme Paul lui a demandé. Timothée a dit pas ville. Paolo mutume a dit monesha. On demande à Hébreux 12. Bana tonesha ko Ibrani ya 12. Verset 14. Mustari 14. De rechercher. Tutafutishe. La paix avec tous. Kutafutisha upole na bantu bote. La paix, salama, avec tout le monde. Na bantu bote. Il n'est pas bon qu'un chrétien ait des problèmes avec des gens. Jamais. Nous devons vaincre notre nature et laisser Dieu agir en nous. Recherchons la paix avec tous. Parce qu'il est écrit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est Matthieu 5. Ainsi donc, frères, recherchez aussi la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En marchant dans la justice, frères, nous arriverons à la sanctification. La sanctification vient de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est oui et amen. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Beaucoup de gens entrent dans les tabernacles aujourd'hui. Croyant qu'en y entrant, tu vas aller dans l'enlèvement. C'est faux.
Tu es amené là-bas pour qu'on te prépare à aller dans l'enlèvement. Il faut écouter les avertissements et te laisser avertir. Et si tu es averti, tu partiras. C'est oui et amen. Frère, il n'y a pas du hasard, il n'y a pas de fratrie. C'est la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il est écrit: au retour du Seigneur, on doit nous retrouver tous dans une sainteté sans reproche. Alléluia. Amen. Qu'on ne vous reproche pas, frère. Soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Amen. Soyez attentifs. Les appelés sont nombreux. Les élus sont peu. Il y a eu des hommes comme Paul. Comme Pierre. Comme Petro. Et les autres. Frère, ce sont des hommes comme nous. Appelés de Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Et ils ont écrit pour nous. Soyons les imitateurs des saints. Car nous sommes concitoyens des saints. Frères et sœurs, dans la maison, l'homme ne parlera pas pour sa femme devant Dieu. Ni sa, la femme parlera pour son mari devant Dieu. Le mariage, c'est ici-bas. Mais au ciel, chacun devra montrer le certificat du salut. Alléluia. Amen. C'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ ndani mwako utukufu wa milele. Ya milele. Alléluia. Amen. Sans Christ, bile Christo, tu n'entreras pas, frère. Autingia. Dieu, Mungu, a donné son fils adileta mtoto yake afin que quiconque le reçoit pala lete mtoto yake josema yoyote ule atampokea qu'il ait la vie éternelle apate uzimu wa milele qu'il ne périsse pas asipoteye il ira dans la nouvelle Jérusalem atingia mu Jerusalem mpya. Aujourd'hui leo c'est le jour de grâce ni siku ya neema. Aujourd'hui leo c'est le jour favorable ni siku ya mafa. Écoutons le Seigneur. Obéissons au Seigneur. Suivons la parole de Dieu. Comme nous l'avons dit mardi et dimanche. Frères et sœurs bien-aimés, tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, mettez ça de côté. Prenez la parole du Seigneur et avancez. Alléluia. Amen. Dans Luc 21, verset 36, Luc 21. Verset 36. Là, on nous dit: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Amen. Amen. Sur la terre viendront des choses mauvaises dans les, et des temps difficiles. Et Christ va venir. Il faut que votre cœur ne soit pas bloqué
par les soucis de la vie. Royako, ishkwaye nikushibanishiwa na mangaiko ya dunia. Mangaiko ya dunia. Que votre cœur Royako ne soit pas bloqué par les plaisirs de ce monde. Royako ishangaikie paka tamana furaha ya dunia. Frères et sœurs bien-aimés, pour chercher à manger, à se vêtir et à boire. Non. Que notre cœur soit prêt à recevoir le Seigneur. Alors on nous demande de veiller et prier en tout temps. Est-ce que nous prions beaucoup? Non. Mais nous parlons beaucoup. Nous nous promenons beaucoup. Ce n'est pas obéir à la parole. Obéissons à la parole et nous marcherons avec Dieu. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Écoutez cette trompette ce soir et mettons-la en pratique. Marchons selon cette lumière. C'est oui et amen. Amen. Recherchons la paix avec tous. La sanctification pour voir le Seigneur. Recherchons la piété, la justice, la sagesse, tout ça, mon frère, de manière à marcher à la lumière de sa face. Alléluia. Amen. Dans Romains 13, on nous dit verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. C'est-à-dire Christ revient bientôt. Alors dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons maintenant. Donc, comme en plein jour. Marchons, soyons honnêtes, frères et sœurs. Comme les gens qui marchent le jour. Alléluia. Amen. Marchons loin des plaisirs du monde. Loin de chercher des histoires à manger beaucoup, d'une façon copieuse, là. Et de l'ivrognerie. Et de la luxure. Luxure, c'est les choses qui excitent le plaisir de la chair. Ah, frère, ce n'est pas le moment. Et de la débauche, na busharati, des querelles makelele, et des jalousies. Na mikau. Allons loin de ces choses, frères et sœurs. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Mais tu vois le bon ouvrier Jésus-Christ. Et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, écoutez, frère. Nous allons parler de quelque chose avant de terminer. En Matthieu 5, verset 8, il est écrit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. C'est oui, amen. Amen. Le cœur pur. Dans le cœur de l'homme, il y a la conscience, Zamiri. La conscience de l'homme, il est Zamiri Yamuntu, ça l'accuse
ça lui montre les bonnes choses et les mauvaises choses. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Chaque personne, quand vous le voyez faire quelque chose, c'est que sa conscience lui a conduit à faire ça. Alléluia. Amen. Mais dans Hébreux 9, verset 14, wa Ibrani ya tisa mustari ya kumi na ine, là il nous est dit, kule bana tone shayiv, le sang de Jésus-Christ, damu ya Yesu Christo, purifie notre conscience des œuvres mortes. Iko na takaza zamiri yetu kwa matendo ya kufa. Et nous aide maintenant à servir le Seigneur. Na damu ya Yesu Kristo inatusaidia kutumikia Bwana. Amen. Amen. Par le sang de Jésus, mukupitia damu ya Yesu, notre conscience dans notre cœur, zamiri yetu ndani ya mioyo yetu, est purifiée de mauvaises œuvres. Yenye kutakasiwa na matendo mabaya. Et nous rend capable d'obéir à Dieu. Na inatupatia nguvu ya kutii sauti ya Mungu. Prêtons oreille à cela maintenant. Tuweke sikio kwa ile bintu. La conscience de l'homme. Zamiri ya mtu. L'accuse en lui-même. Yuko na staka mtu mwenyewe mwenyewe. Pourquoi tu as fait ça? Je ya nini unafanya vile? Je t'ai dit de ne pas le faire. Mimi niko sema usifanye. Pourquoi tu l'as fait? Wewe unafanya juu ya nini? On attrape quelqu'un à la prison. Et il commence à se dire. Il commence à dire. Pourtant, on m'a dit. Pourquoi j'ai fait ça? On le frappe. Il dit, ah, pardonnez-moi. On dit, pourquoi tu as fait ça? Sa conscience là. Zamiri yake parle à lui. Inaanza kusema ndani yake. Ça le condamne là. Inaanza kumhukumu kule. Pourquoi tu as fait? Jua nini unafanya? Pourquoi tu as fait? Bunya nini unafanya? Frère et sœur. Dada na ndugu. La conscience, zamiri, c'est une voix forte dans le cœur de l'homme. Iki ni njia moyo nguvu sana. Sauti ya nguvu sana ndani ya roho ya mtu. C'est oui, amen. Alléluia. La conscience parle plus fort. Zamiri kuna sema kabisa sana. Plus que n'importe quoi. Kupita binti byote. Devant le mal et devant le bien. Mbele ya buzuri wala bobaya. La conscience de l'homme parle. Zamiri ya mtu iko nasema. Gloire à Dieu. Amen. Frère, ndugu, soyons attentifs à cela. Tukebe anga ku ile bintu. Regardons un peu de Deutéronome et puis on va parler. Tutenda ku kumbukumbu la Torati. Chapitre 30. Sura makumi tatu. Verset 19. Mstari ya kumi na kenda. Dieu dit à Israël, Mungu anasema na Israeli, j'en prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. Leo mnabeba ushuda katikati ya mbingu na dunia. Mbele yako. Je mis devant toi. Mina weka mbele yako. La vie et la mort. Kushima wala lufu. La bénédiction et la malédiction. Laana na baraka. Choisis la vie. Afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie. Alléluia. Amen. Frère, devant l'homme, il y a toujours le mal et le bien. Mais la conscience de chaque homme mais, zamiri ya kila mtu, lui dira toujours ce qu'il y a à faire. Regardez, mes amis. Tu sens dans ton cœur unashika ndani ya roho yako que l'argent qui est ici, la, feza hili kwa pi. C'est pour Dieu. Ya Mungu. Ce n'est pas à toi. Aina yangu. Mais lakini, tu mets la main, unaweka mkono, tu mets en poche. Unabeba, unaweka mfuko. Ta conscience te dira toujours. Zamiri yako itakuonesha paka. Pourquoi tu as pris? Je ya nini unabeba? Remets. Urudisha. Attention, c'est l'église. Keba yangu ni kanisa. Remets. Urudisha. Tu prends, tu pars. Unabeba, unaenda. Voilà le péché que l'homme commet.
Unaona nzambi ile Mungu yuko na mtu yuko natenda. Un diacre à Bujimai. Shemashi moyo kule kumbushimai. On l'a mis diacre sans savoir s'il était déjà baptisé ou non. Bali muweka shemashi bila kujua sema adishi kubatizio wala hapana. Parce qu'il était souvent avec les frères, toujours avec les frères. Kwa alikuwa anaishi pamoja na ba frères kila sana kila wakati. Alors, quand on mettait les offrandes et les dîmes, celui qui percevait ça, il allait compter. Et tout ce qui était dollar, il mettait en poche. Il laissait seulement les francs. Maintenant, un jour, les frères avaient besoin de l'argent pour un travail à l'église. Alors, il cherchait au moins d'avoir 20 dollars. Alors, il y a un frère qui a dit, non, dans l'offrande, là, il y a les dollars. Non, les conducteurs ont dit, non, non, il n'y en a pas. Il dit, non, non, il doit y en avoir. Après, il dit, mais c'est moi qui ai mis 20 dollars. Alors, on va suivre le frère. On lui pose des questions. Le frère commence à manger la bouche. Et puis après, il accepte. Et on a vu qu'il prenait toujours tout ce qui était dollar là-bas, il mettait en poche. Le secret est sorti. Mais sa conscience lui en parlait. Il n'a pas fait 6 mois. Il est parti. Apana. Il est mort. Il est bon. Frère. Soyez attentifs à ces choses. La conscience de l'homme parle. Tu connais que ça c'est mal. Ta conscience t'en parle. Tu dis, mais je le fais. Quand même, je le fais. C'est un péché. Mais ta conscience te reprochera toute ta vie. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc on a muntu anaje kuomba Mungu réponse ainako. Amen. Il prie Dieu et n'a pas de réponse. Kunaomba Mungu hakuna jibu. Parce que sa conscience le reproche. Zamiri yake. Yuko na msemo. Un péché volontaire. Ndio zambi ya kusudi. Il l'a fait. Adifanya. Volontairement. Il doit retourner, confesser, demander pardon. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Frère, entendons-nous. Quelqu'un qui connaît, par exemple, qu'il a un mariage avec lui. Mais il sort hors de sa maison, il va se conduire mal. Ces choses-là, il est allé dans la conscience pure. Son cœur lui dit que c'est mal. Ne le faites pas. Mais lui le fait. Cela montre quoi? La nature qui est là, c'est la mauvaise nature souillée. C'est oui, amen. Ça, c'est Tite, chapitre 1. Verset 15, il dit, tout est pur pour celui qui est pur. Et tout est souillé dans le cœur de celui qui a la conscience souillée. Alléluia. Amen. Sa conscience souillée voit toutes choses dans le mal. Et il apprécie le mal. Plus que le bien. Alléluia. Amen. Il est attiré par le mal. Et il fait des choses mauvaises. Et par ses œuvres, on connaît de quel arbre il vient. Quelle nature il a. Jésus a dit, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Frère bien-aimé, notre frère Banama enseigne quelque chose. Il dit ceci.
L'âme, nafsi, c'est la nature de l'esprit. Amen. Amen. Ah, ça m'avait travaillé un jour, j'ai réfléchi dessus. Frère bien-aimé, quand on voit quelqu'un avec un mauvais esprit, c'est que sa conscience est souillée. Sa conscience est attirée par les mauvaises choses. Amen. Amen. Et alors cette personne-là n'est pas pure devant Dieu. Et ce qu'il montre dehors, c'est la nature de son esprit. Et cette nature de l'esprit, c'est ce qu'est son âme. Amen. Amen. Son âme est souillée. Ce sont ces souillures-là qui sortent dehors. Vous voyez quelqu'un qui a l'esprit de bagarre. Quelqu'un qui a l'esprit de querelle. Et des choses comme ça, là, ça montre quoi? La nature de la personne. Son âme est souillée en lui. Et dehors, l'esprit qui commande le corps, et le corps manifeste les œuvres mauvaises. Est-ce que nous comprenons? Amen. La conscience de l'homme, c'est l'âme de la personne, frère. Frère et soeur bien-aimé, heureux celui qui a le cœur pur, car il verra le Seigneur. Paul dit, dans Actes des Apôtres, il fait noir, on ne sait pas lire. Actes 24, verset 16. Il dit ceci: je me force pour être devant Dieu avec une conscience sans reproche. Frère et sœur, tu vas prier comment devant Dieu? Avec la conscience qui te condamne. C'est grave. Dans 1 Jean 3, verset 20 et 21, il est écrit: si notre cœur nous condamne, c'est-à-dire notre conscience, si elle nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Alors nous n'avons pas de foi devant lui. C'est-à-dire nous n'aurons pas l'assurance devant Dieu. Parce que si notre cœur nous condamne, et Dieu nous condamne déjà. Est-ce que nous comprenons? Amen. Tu sais que ça c'est mal. Mais tu le fais. Ta conscience te condamne. Zamiri yako na kukumu. Hey, Dieu aussi. Na Mungu pia. Qui est au ciel. Ki, ule kumbingu. Te condamne. Ana kukumu na wewe. Quand tu commenceras à prier. Wakati utaomba. Tu mettras à genoux pour prier. Unapiga magoti ya kuomba. Tu vas commencer à prier. Utaanze kuomba. Ta conscience va te rappeler. Zamiri yako itakukumbusha. Tu as tel problème. Uko na mambo fulani. Il faut achever ce problème. Wewe ishele mambo. Va achever ce problème. Va achever ce problème. Si tu n'y vas pas, ta prière ne passera pas. C'est oui et amen. Amen. Marc 11, verset 25. C'est oui et amen, ça ne passera pas. Apita, apita. Et 1 Jean 3 nous dit: nous n'aurons pas assez de foi pour faire passer notre prière devant Dieu.
Et dans Hébreux 10, verset 22, il est écrit, parce que nous avons un souverain sacrificateur dans la maison de Dieu, alors approchons-nous de Dieu dans une conscience, avec un cœur purifié de toute mauvaise conscience. Amen. Amen. Ma soeur et mon frère, ta prière ne passera pas si ton cœur est rempli d'une mauvaise conscience. Amen. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. C'est pourquoi, mes frères, le sang de Jésus est prêt pour purifier votre conscience des œuvres mortes. La repentance et la confession, na kukiri, ces deux choses amènent le sang de Jésus pour purifier votre conscience des œuvres mortes et vous rendre capable d'obéir à Dieu. Amen. Amen. Croyons dans le Seigneur Jésus. Obéissons au Seigneur Jésus. Marchons en communion avec lui. Son sang purifiera notre conscience, nous rendra capable d'accomplir les bonnes œuvres. Notre oui sera oui. Et notre non sera non. Mumambo yote tutakuwa clair. Kama mambo nyakufanya pa ile fazi, je vais parler. Tasema na ro safi. Non, frère. Pas il faut aina bien tu fanye ivi parce que il y a ça et ça. Un cœur pur. Afana cœur y a nyoka nyoka. Non, ça ne va pas. Ce cœur là ne passera pas devant Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Savoir ce qui est mal et le faire quand même. Dieu interdit cette chose, mais dans ta conscience, tu sais, mais tu dis, mintafanya tout. Après, on va arranger. Tu te trompes. Pour terminer, Matthieu 7, verset 21 à 23. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront, Seigneur, nous avons chanté à la chorale, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades. Je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Savoir ce qu'il faut faire, mais ne pas le faire. Amen. Tu fais autre chose volontairement. La conscience te reproche, mais tu y vas quand même. Que Dieu nous bénisse ce soir. Nous avons parlé comme des sentinelles. Que Dieu aide chacun de nos frères. Veillons à cette chose. Et marchons comme les enfants de Dieu. Si notre cœur nous reproche, arrêtons-nous. Un homme juste, il s'arrêtera pour examiner qu'est-ce que je voudrais faire. Il s'arrête, il regarde. Si ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, il arrête. Mais un homme pervers, il va voir que ce que je fais est interdit. Ce n'est pas permis. Mais il va quand même le faire.
Et ça, c'est un péché. Il faut confesser. Et le sang de Jésus est prêt pour vous purifier. Que Dieu nous bénisse ce soir. Nous allons prier le Seigneur. Ok, mon frère. Merci. Amen. Prions le Seigneur maintenant. Priez, je m'en donne le premier mot qu'il faut.